Un cabier? Qu'est-ce que c'est que ça? Un habitant de la cabine? Chut, tais-toi et observe. C'était un grand chef d'équipage d'un corsaire anglais. Il avait des frégates, surtout dans les Antilles, dans ces coins-là, on m'a dit. Je crois que c'est un... Toi qui ne crains rien ni personne, Super Durand. Chaque fois que ton nom résonne, Super Durand. Les bandits les plus costauds tombent dans les pommes, Super Durand. Jeune héros de la mégapole, Super Durand. Vraiment tu as un sacré bol, Super Durand. Quand au volant de ton œuf coq tu t'envoles vers les aventures les plus folles. À tes côtés ton ami Claude de Chamiol et Sophia, cheveux verts. Méfie-toi de Marlène, Léon, le bouffon et tous les filous de la terre. Super Durand, toi qui ne crains rien ni personne, Super Durand. Chaque fois que ton nom résonne, Super Durand. Les bandits les plus costauds tombent dans les Au secours! Nine lives, but eight of mine went fast. Now there's only one life left, and I want to make it last. Tous les dimanches soirs, en clair, à 19h30, sa cartoon, c'est ça. Ayez pitié.
sécateur chéri. Eh oui, vous êtes bien sur Canaille Pluche, l'émission qui, on ne le répétera jamais assez, vous tient compagnie tous les soirs de la semaine de 18h à 18h30 juste avant sa cartoon. Alors plus une seconde à perdre, place à toute l'équipe de Canaille Pluche. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, et regarde, je crois qu'elle est là-bas. Mais non, je te dis qu'elle est partie sous l'étagère. On n'a jamais vu des petites bêtes manger les grosses, hein. Bon, je vais quand même voir ce que je peux faire pour eux. Hey, Valérie, tu savais que les corbeaux avaient peur des souris? Ouais, c'est comme les éléphants, ça les paralyse. Oh, les pauvres, il faut faire quelque chose, hein. Hey, tiens, où qu'il est le piège à souris? Où qu'il est? Non mais tu te rends compte de la façon dont tu parles, Max? Bah quoi? Dis où est-il? Essaie de faire une phrase correcte, je sais pas moi. Oui, je sais, mais bon, tu sais où il est le piège? Oui, je crois qu'il est dans le tiroir. Je finis ça, bouge pas. Sorry. On va regarder. Ce type pas malheureux, des morveuses qu'en fiche pas une rame. Qui va là? Nommez-vous. D'Artagnan et Porthos, mousquetaires du roi. Nous faisons notre ronde nocturne. Personne ne peut passer. Par ordre du cardinal de Richelieu. Par ordre du roi, faites place immédiatement. Chocapic vous présente Décode pas puni. Le célébrissime lapin de la Warner vient vous présenter lui-même, en personne, en chair et en carotte, une nouvelle émission bourrée de surprises et de super toons, à ne manquer sous aucun prétexte. Décode pas puni, samedi 24 à 18h sur Canal+, de Bugs Bunny. C'est fini les dessins animés. Un objet encombrant. Une locomotive. Mon doigt. Votre doigt est un objet encombrant? Je sais jamais où le mettre. Dans le trou de bec, comme d'hab. Bon, ça suffit, concentrez-vous un peu. Laisse par le vent et les flots sur la route de la soie. Quand danger colle à la peau, la vie ne tient qu'à l'exploit. Main dans la main face au destin, sur la côte de la destinée. Les amis de Corentin ont embarqué pour gagner. Même si tu n'as pas le pied marin, oh 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 oh. Salut et bienvenue dans un C+ Cléo exceptionnel. Exceptionnel, oui, car aujourd'hui CPC va porter haut les couleurs de l'animation pour le festival d'Annecy qui se tiendra jusqu'au 5 juin. Annecy, c'est le grand festival international, l'équivalent du festival de Cannes dans le domaine de l'animation. Le rendez-vous annuel des producteurs, créateurs, réalisateurs et acheteurs. Un lieu où l'on peut découvrir des inédits, voir ou revoir les meilleures productions.
Souvenez-vous, l'enfant au grelot du studio Folimage de Valence, diffusé sur Canal+ en décembre 97, il avait reçu le grand prix du spécial TV au festival d'Annecy 98. Je vais faire passer, je me suis trouvé un super plan maison. Elle est où la sans cœur? Elle l'étoile sous que tu as laissée dans le salon. Parfait, c'est de son labo que j'ai besoin. Inutile de sauter. Si vous descendez du rebord du toit, en seulement 2 mètres, vous atteignez la véranda de la chambre de Monsieur Yamazaki. Non, ça ne tient pas. Rien ne pourra nous résister. Reste avec moi. Sedna, non. Je dois aller rejoindre mon père. Inouk, reste. Ne me laisse pas seule. Ne t'en va pas. Rallye ! Le savais-tu ? Le cri d'un canard ne fait pas d'écho et personne ne sait pourquoi. Ah non, non, je ne le savais pas. C'est pour ça que je suis là. Le savais-tu? Les femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que les hommes. Ah non, 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 je ne le savais pas. C'est pour ça que je suis là. Le savais-tu? Un escargot peut dormir durant 3 ans. Oh, ah non, je ne le savais pas. C'est pour ça que je suis là. Le savais-tu? Tous les ours polaires sont gauchers. Oh non, je ne le savais pas. Chier, quoi. Non, non, c'est très bon. Franchement, avoir ta tête, on dirait pas. Non, je t'assure. Bon, pas sûr. Envoyer un courriel. En attendant, allez préparer la salle de classe. Finalement, vous avez raison. Ça me fera pas de mal d'étudier un peu. Ouais. Alors, ça y est, les villes. Georges a retrouvé le sourire. Les bonbons.